Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui juste à côté de ma coiffeuse comme vous pouvez le voir puisque je vais me maquiller en direct devant vous en essayant uniquement des nouveautés make-up que j'ai reçues de la part des marques ou alors des produits que j'ai moi-même achetés. Il y a notamment une petite commande Sephora que j'attendais avec impatience et pour être honnête j'ai réussi à conserver tous ces petits produits dans mon tiroir de produits reçus pour ne pas les toucher et qu'ils soient absolument neufs pour vous donner en fait mais vraiment mes premières impressions dans cette vidéo. Et tous les liens des articles seront dans la barre d'information avec des codes promo etc. Si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis écoutez bah, je vous laisse sans plus tarder découvrir la suite. Donc je me suis attachée les cheveux, c'est parti, on va commencer avec l'application du fond de teint qui est le Perfect Cushion de chez Dior dans la gamme Dior Skin Forever. Pour tout vous dire, ça fait un petit bout de temps que j'ai reçu ce produit, mais en fait je l'avais eu en deux teintes, dont la teinte beige moyen qui était trop foncée, je ne l'avais pas essayé mais rien qu'en voyant comme ça. Du coup je m'étais dit que je le garderais pour après les vacances, une fois que je serai un petit peu bronzée. Donc ça se présente, vous savez, ce sont les fameux fonds de teint sous forme de petites mousses comme ça. Je n'ai jamais testé, donc je pense que je vais appliquer ça au Beauty Blender et on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai prélevé un petit peu de matière, écoutez je vais tapoter directement. En tout cas l'odeur est très agréable, ça sent vraiment très bon et le produit est super naturel. Au Beauty Blender ça se fond vraiment très bien, je pense que c'est une bonne méthode d'application. Vous aviez une petite éponge aussi, moi je suis pas forcément très adepte de ce genre d'accessoires. Par contre au Beauty Blender c'est top et la teinte me semble plutôt bonne. Je dirais qu'il a une couvrance plutôt légère, voire moyenne, mais c'est tout à fait le genre de produit que moi j'aime, parce que ça a un rendu très très naturel, ça camoufle les petites imperfections, et ça unifie votre teint, mais sans en faire trop. Vous avez un petit peu un effet de zéro matière comme ça sur la peau, et c'est vraiment ce que j'aime. Donc la marque nous garantit une longue tenue et une matité lumineuse, donc à voir côté matité tout au long de la journée ce que ça va donner avec ma peau à tendance grasse, mais par contre c'est vrai qu'il est relativement lumineux, il n'a pas du tout un effet voilà plâtre sur la peau, il a un joli rendu, effet bonne mine comme ça, et voilà, je trouve qu'il se suffit à lui-même, je le trouve vraiment très très beau, c'est une belle découverte pour le coup, à voir au niveau de la tenue, mais en tout cas il est très joli. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne hors caméra, c'est le Prolong Wear de chez MAC comme d'habitude puisque de ce côté là je n'ai pas de nouveauté à tester. Et on va maintenant passer à la poudre, la Copper Glow de chez Herborian. Donc c'est une poudre apparemment dorée, une poudre pressée pour donner un petit côté allé au visage mais que l'on peut appliquer apparemment sur la totalité du visage comme notre poudre habituelle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, le packaging en tout cas est très joli comme ça, très compact, doré, je trouve ça superbe. Et donc encore une fois vous avez le petit système de houppette et la poudre qui est protégée qui a l'air super super jolie. J'ai également des nouveautés côté pinceau à tester de la marque Lili Lolo puisque j'ai reçu par surprise ce kit de la part du site EF Bio Cosmétiques. Lili Lolo c'est une très très belle marque, là en l'occurrence c'est un kit de pinceaux vegan avec 10 pinceaux honnêtement de qualité professionnelle à l'intérieur. Je ne les ai pas essayés, juste lavés, donc je suis impatiente mais la qualité des pinceaux est incroyable, les poils sont très doux et alors la beauté aussi de la chose, je les trouve sublimes. C'est très sobre, noir et blanc comme ça mais c'est vraiment tout ce que j'aime. Ils sont vraiment superbes. Donc écoutez, on va essayer ça. Il y a un petit pinceau poudre, il me semble, c'est celui-ci. Alors effectivement, c'est une poudre que vous pouvez appliquer sur la totalité du visage parce qu'elle est très légère, très fine. Elle matifie un petit peu la peau si vous voulez. Mais en même temps, elle a ce petit côté lumineux tout en subtilité. Et pour le coup, je la trouve super réussie pour ça. Je pense qu'il va falloir que je vois comment elle évolue toute la journée pour voir si je peux vraiment la porter de par mon type de peau. Mais en tout cas comme ça je la trouve vraiment superbe. Et alors la douceur des poils, des pinceaux, c'est incroyable, ça diffuse très bien la matière. Donc là pour le coup le pinceau poudre j'adore et la poudre aussi. Nous allons maintenant passer au bronzer pour réchauffer un petit peu tout ça puisque mon visage est plus clair que le reste de mon corps. Et j'ai craqué du coup sur le Laguna de chez NARS, le fameux Laguna est très réputé. Là apparemment c'est une nouvelle édition poudre bronzante diffusion soleil qu'ils ont sorti pour cet été. Donc lors d'une petite commande Sephora j'avais craqué. Donc je crois que le packaging a un petit peu changé, les packagings sont sublimes, très salissants chez NARS mais sublimes. Et donc, oups, ça tombera pas plus bas. Voilà la poudre à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir de petits irisés à l'intérieur, donc je pense que pour le côté bonne mine, ça va être top. Et puis comme toujours, je vais me servir des pinceaux Lili Lolo. Ça c'est le celui pour le bronzer en fait. Il est assez gros, donc moi j'aime bien juste pour réchauffer le visage, pas du tout pour faire du contouring parce que moi je suis pas du tout adepte de ça. Mais vraiment juste pour apporter un petit côté allé au visage. La couleur est très jolie, elle est pas du tout orangée.
Et c'est vraiment, vraiment ce que j'aime. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ça fait comme si on bronzait un peu naturellement, la couleur du bronzage, un petit côté doré de par les irisés, mais pas du tout trop superficiel. Je trouve que ça a vraiment un côté naturel et voilà, ça fait plutôt bien la blague. La couleur est vraiment très jolie. Je comprends un petit peu mieux maintenant le succès de ce bronzer. Par contre, pour le pinceau, je trouve qu'il manque un petit peu de souplesse pour le bronzer. Moi, j'aime bien les choses assez diffuses et les pinceaux un peu fluffy pour ce genre d'application. Donc, c'est peut-être pas le meilleur pinceau côté application du bronzer. Je pense que je vais plutôt l'utiliser pour autre chose, avoir peut-être plus pour le blush ou ce genre de choses. Je vais maintenant passer à l'application du blush avec celui-ci de la marque Lili Lolo. Apparemment, c'est le Coralista Cheek Duo. Donc, il y aurait deux blushs à l'intérieur. Lili Lolo, c'est une très belle marque de maquillage que je souhaitais tester depuis pas mal de temps. Et les packagings sont super jolis. Ça me fait un petit peu penser à Sleek, mais je les trouve super, noir et blanc comme ça. C'est tout ce que j'aime. Et les couleurs sont sublimes. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez une teinte mate et une teinte un petit peu irisée. Alors la pigmentation est bonne, c'est pas trop pigmenté et c'est pas assez pigmenté, je pense que vous pouvez le voir. Et c'est un joli corail mat qui donne bonne mine en fait tout simplement. Je suis super contente du blush, je trouve qu'il a vraiment un effet bonne mine et c'est tout à fait ce que je recherche dans ce genre de produit. Il est simple mais voilà, il fait son travail donc parfait. Et de la même marque j'ai également un highlighter, donc un enlumineur qui s'appelle Champagne. Et... Donc toujours dans cette lignée de packaging sobre comme ça, je le trouve superbe. Et la couleur a l'air super jolie. Comme je vous dis, j'ai absolument rien essayé, rien swatché, donc on va voir. Là par contre, dans le kit, il n'y a pas vraiment de pinceau pour l'enlumineur. Donc moi je prends un petit Zoeva que j'ai. Si ça vous intéresse, c'est le 105 pour l'enlumineur justement. Et je suis impressionnée parce que les produits sont pigmentés mais pas du tout poudreux. Et franchement c'est une belle découverte. Et donc j'en applique comme d'habitude sur l'ossature de mes pommettes. La couleur est très jolie. J'adore parce qu'il est un petit peu subtil. Vous voyez, c'est pas un highlighter BK qui va trop en faire parfois. Voilà, moi je mets pas du tout d'highlighter au quotidien parce que je trouve que ça en fait un petit peu trop. Mais là, pour le coup, celui-ci, il pourrait tout à fait convenir. Vous voyez qu'il est très lumineux, vous le voyez bien là. À la caméra, il est très il est lumineux mais sans être trop lumineux justement. C'est un peu l'équilibre parfait et je trouve que ça va super bien avec le blush, le bronzer. Ça se mêle comme ça, les matières sont très belles, très fines. C'est vraiment une super belle découverte. Là pour le coup, voilà, je m'attendais pas forcément à ce genre de qualité, donc superbe. Après c'est vrai que la marque Lili Lolo a un certain prix, mais pour le coup la qualité est au rendez-vous, donc honnêtement je vous recommande. On va maintenant passer aux sourcils, puisque là il est temps de faire quelque chose. Je n'avais plus de produits à sourcils, je finissais un petit peu tout ce que j'avais en rayon. Du coup j'ai opté pour le Goof Proof de chez Benefit, que j'ai pris en teinte 4. Donc j'espère ne pas m'être trompée, il y avait deux teintes médium, une teinte 3 et une teinte 4. Et de ce que j'ai trouvé sur internet pour les châtains foncés, ils conseillaient la teinte 4. Donc voilà ce que ça donne au niveau du packaging, je les trouve super sympas. Argenté comme ça, donc d'un côté vous avez le crayon et de l'autre le petit goupillon. Donc je vais déjà brosser un petit peu mes sourcils pour les remettre un petit peu en place. Et du coup je vais maintenant passer à l'application du crayon. Donc c'est un petit côté, je pense que vous le verrez mieux là, ça a un côté biseauté, donc ça peut être pas mal pour l'application. Et donc c'est parti, je trace des petits traits en fait pour redessiner un semblant de poil là où ça manque un petit peu. Vous pouvez voir la concentration extrême, je suis incapable de parler lorsque je fais mes sourcils. Mais pour le coup je suis contente parce que je pense que la couleur convient bien, je pense que je ne me suis pas trompée. Elle m'a l'air d'être plutôt réussie et ça va plutôt bien avec ma couleur de cheveux. Le crayon est très bien au niveau de la texture parce que c'est pas trop gras, pas trop sec. Il a l'air superbe et vous pouvez vraiment dessiner voilà, avec des petits à-coups comme ça, quelque chose d'assez naturel, ça vous marque pas le sourcil et voilà, trop, de manière trop prononcée. Et puis ensuite ben, je vais rebrosser un petit peu avec le goupillon pour diffuser un petit peu la matière et avoir un rendu naturel. Mais je suis super contente. J'avais vraiment peur au niveau de la couleur et là pour le coup pas du tout, je trouve que ça correspond tout à fait. On va maintenant passer au maquillage des yeux avec la tant attendue Naked It, qui est la nouvelle palette de chez Urban Decay. J'ai succombé parce que les teintes me plaisaient énormément, je trouve que ça va très bien aux yeux bleus, ces teintes relativement chaudes comme ça. Et voilà, je n'ai pas toutes les Naked, j'ai les trois premières. Je n'avais pas craqué pour les autres, mais alors celle-ci honnêtement je trouve que la déclinaison de couleurs est vraiment très réussie, les teintes sont sublimes. J'ai résisté encore une fois pour ne pas l'utiliser avant cette vidéo. Vous avez un pinceau double embout en plus à l'intérieur,
Donc ça c'est plutôt pas mal, je pense que je vais faire vraiment quelque chose de très simple. Donc tout d'abord pour unifier ma paupière mobile, je vais appliquer le deuxième fard un petit peu couleur chair, j'espère qu'il ne sera pas trop clair par rapport à ma carnation, avec un petit pinceau Lily Lolo. Bon, les fards à paupières Urban Decay sont un petit peu poudreux mais en général c'est pas bien gênant, donc je vais déjà l'appliquer au-dessus, sur ma paupière immobile. Alors la couleur de ce fard est vraiment parfaite pour unifier la paupière. Maintenant je vais prendre le Low Blow ici qui est un fard un petit peu beige camel comme ça, dans le creux de paupière je pense, pour creuser un petit peu avec un pinceau un petit peu fluffy, toujours du kit Lily Lolo, qui je pense va se prêter tout à fait à ce genre d'utilisation. Alors comme toujours la pigmentation est au rendez-vous avec Urban Decay. Vraiment Urban Decay et Too Faced, ce sont les deux meilleures marques de palette de fard à paupières. Je trouve que vraiment, que ça soit niveau intensité, pigmentation, y a rien à dire. Ensuite, je vais appliquer le fard à paupières l'ambre ou l'umbre, je ne sais pas comment ça se prononce, sur l'entièreté de ma paupière mobile. J'ai appliqué un petit peu de Fix Plus sur le pinceau pour gagner un petit peu en intensité, c'est ce que je fais en général avec ces fards. Oh, la couleur est trop jolie, j'adore. Ça change vraiment, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup pour terminer je vais appliquer le fard à paupières Cayenne je pense avec ce petit pinceau précision comme ça juste pour le ras de cils inférieur pour souligner un petit peu le regard. Donc voilà pour ce petit maquillage des yeux vraiment très rapide avec uniquement 3 fards, c'était un petit peu pour tester pour voir ce que la palette donnait mais j'aime beaucoup le rendu, ça change des couleurs très neutre que j'utilise habituellement. C'est un petit peu plus coloré mais j'aime beaucoup. Donc je vais maintenant passer à l'application du mascara. Pour ça je vais d'abord recourber mes cils et je vais appliquer le mascara Aqua Smoky Extravagant de chez Makeup Forever qui est en version waterproof celui-ci. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. La brosse est vraiment très très grande comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti, je vais en appliquer sur les cils supérieurs. Bon alors pour le coup je suis plutôt déçue du mascara, je trouve qu'il a un rendu beaucoup trop naturel. Il allonge les cils, il les sépare mais il n'y a pas vraiment de volume, il l'épaissit pas vraiment les cils. Après c'est peut-être parce qu'il est 9 manches, règle générale je trouve que le mascara se bonifie un petit peu avec le temps, il est bien meilleur après plusieurs utilisations lorsqu'il a pris un petit peu l'air. Donc écoutez je vous en reparlerai, là pour l'instant je suis assez mitigée. Et on va passer aux lèvres avec le rouge à lèvres de Marie alias Enjoy Phoenix sur YouTube qu'elle a sorti en collaboration avec MAC. Il était disponible sur le Free Store d'Octoly en fait donc j'en ai profité puisque j'avais très envie de le tester. Donc c'est un fini glaze pour information et c'est tout simplement un petit rouge à lèvres nude. Donc écoutez on va voir ce que ça va donner à l'application. Les glazes sont très confortables à porter, ils sont bien crémeux en règle générale donc c'est parti. Donc voilà ce que donne la couleur du rouge à lèvres, je le trouve un chouïa clair parce que j'ai pris quelques couleurs mais par contre je pense que pour cet automne et cet hiver quand je serai un petit peu plus pâle, il sera vraiment pas mal du tout, en tout cas il est très confortable, très crémeux, c'est vraiment le fini moi que j'apprécie beaucoup pour le quotidien, voilà je pense que ça s'estompe de manière assez subtile, donc voilà je vais attendre de débronzer un petit peu pour pouvoir le porter plus facilement mais en tout cas la couleur est jolie. Et enfin je termine par l'application d'une petite brume fixante, donc toujours de la marque Lily Lolo. Là aussi le packaging est encore une fois très joli, comme ça je la trouve superbe. Et donc je vais en vaporiser pour fixer un petit peu mon maquillage et puis retirer le petit côté poudré. Ça y est, le make-up est terminé, ça en est tout pour cette vidéo test de nouveautés maquillage. J'espère vraiment que le concept vous aura plu, moi en tout cas j'ai adoré vous donner mes premières impressions comme ça des petits produits. C'est peut-être un petit peu plus sympa plutôt que de vous en parler de temps en temps et comme je ne fais plus vraiment de vidéos favoris, c'était l'occasion voilà, de vous dire un petit peu ce que je pensais de ces produits. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.